Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture Bikes. On n'est pas n'importe où, on n'est pas dans un lieu touristique, enfin ça pourrait être un lieu touristique. On se trouve ici à Liège, dans la concession Harley-Davidson, qui nous a gentiment ouvert les portes de la concession. Il n'y a que nous ici, on est les seuls, on est juste deux, Joseph et moi, dans la concession. On peut faire ce qu'on veut, ils ont gentiment accepté de nous ouvrir les portes, et pas pour n'importe quelle raison. Puisque 2023, c'est une grande année pour Harley-Davidson, puisque la marque américaine fête ses 120 ans. C'est l'occasion pour nous de faire une petite rétrospective de Harley-Davidson. Allez, c'est parti! C'est en 1903, dans un petit garage de Milwaukee, que William Harley et Arthur Davidson ont uni leurs forces pour créer une machine à deux roues qui incarnerait la liberté, la puissance et l'aventure. Sans le savoir, une légende prenait vie et allait changer à jamais le paysage de la moto et l'esprit des motards à travers le monde. Leur premier modèle, une modeste bicyclette motorisée de 3 chevaux, a posé les bases d'une marque qui allait transcender les générations. Depuis lors, Harley-Davidson a évolué et s'est développé, devenant une véritable icône de la culture motarde. Dans les années 1920, la marque a connu une croissance spectaculaire et a établi de nouveaux records de vitesse sur les pistes de course, prouvant ainsi la puissance et la performance de ces machines. Pendant la Grande Dépression des années 30, Harley-Davidson a survécu grâce à sa capacité à s'adapter. La société a commencé à produire des motos pour les forces armées américaines, contribuant ainsi à l'effort de guerre. Cette période difficile a également vu la naissance de l'un des modèles les plus emblématiques de la marque, le Knucklehead. L'après-guerre a apporté de nouvelles opportunités pour la marque. En effet, les vétérans revenant du front cherchaient l'aventure et la liberté qu'ils avaient connue pendant leur service militaire. Et c'est ainsi que les motos Harley-Davidson sont devenues le symbole de cette quête d'indépendance en donnant naissance à la culture des motards telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans les années 60 et 70, Harley-Davidson a connu des difficultés financières. La concurrence étrangère, les changements dans le paysage culturel et économique ont mis la société à rude épreuve. Mais grâce à la détermination de ses employés et à la loyauté de sa communauté de motards, Harley-Davidson a réussi à se réinventer. Dans les années 80, une nouvelle ère commence avec l'introduction de la gamme Softail. Ces motos, à l'apparence rétro, mais avec des technologies modernes, ont apporté un nouvel élan à Harley-Davidson et ont conquis de nouveaux adeptes. Au cours des décennies suivantes, Harley-Davidson continue d'innover et de repousser les limites de la performance et du design. Des modèles emblématiques tels que la Fat Bob, la Road King et la Electra Glide ont marqué l'histoire de la moto en devenant des symboles de l'identité de la marque. Aujourd'hui, alors que Harley célèbre ses 120 ans d'existence, la passion pour la moto et l'esprit de liberté continuent de brûler intensément. La marque propose une gamme diversifiée de motos, des customs puissants aux modèles plus légers et agiles, adaptés à tous les types de motards. Alors là, j'ai un peu de bol, je me trouve sur la 1250 Sportster S. Elle est à l'essai. D'ailleurs, si jamais un jour ou si prochainement vous dites, une fois que le beau temps revient, je testerai bien une Harley, parce que pourquoi pas craquer après tout. Elle est à l'essai ici à Liège. Et pourquoi je suis sur la Sportster S? Mais simplement parce que c'est un des modèles les plus vendus. La Harley-Davidson Sportster, tout le monde la connaît, hein, elle a une grande histoire. Mais la Sportster S, c'est une des plus vendues l'année dernière. Mais Harley-Davidson est bien plus qu'une simple marque de moto. C'est une famille, une communauté mondiale de motards passionnés qui partagent le même amour pour la liberté sur deux roues.
Des rassemblements vibrants tels que Sturgis et Laconia ont réuni des milliers de personnes pour célébrer cette passion commune, créant des liens indéfectibles qui durent bien au-delà de la route. Au fil des décennies, Harley Davidson a également étendu son influence à travers des initiatives philanthropiques et des actions sociales. La fondation Harley Davidson a soutenu de nombreuses causes, notamment la recherche médicale, l'éducation et le soutien aux anciens combattants. C'est une marque qui croit en la responsabilité sociale et qui s'efforce de faire une différence positive dans le monde. L'histoire d'Harley Davidson est jalonnée de moments emblématiques. Des courses palpitantes sur les pistes poussiéreuses de Daytona aux longues chevauchées sur la mythique route 66. Chaque kilomètre parcouru a contribué à forger la légende. Mais c'est aussi l'esprit de camaraderie qui définit l'expérience Harley Davidson. Les clubs de motards, les balades en groupe et les événements spéciaux sont autant d'occasions de se connecter, de partager des histoires et de tisser des amitiés durables. Harley Davidson, c'est bien plus qu'une moto. C'est un peu comme le slogan de Culture Bikes, bien plus que de la moto. Mais Harley Davidson, c'est vraiment ça. On n'achète pas une Harley comme on achète une moto. On achète une Harley pour une Harley. Et cette année, mais fatalement, qui dit 120 ans dit édition spéciale. Juste derrière moi, il y a déjà une édition spéciale qui est en vente à l'occasion. C'était celle qui était prévue, enfin une des celles qui était prévue pour le 100e anniversaire. Cette année, évidemment, il y aura des modèles 120 ans. Malheureusement, il n'y en a pas ici. Elles sont uniquement sur commande, mais on essaie de vous dégoter quand même quelques petites images. En effet, il était impossible de passer à côté de moto édition spéciale. Pour l'occasion, c'est surtout le rouge Bordeaux qui est mis à l'honneur et qui tapissera les modèles en édition limitée, à savoir la CBO Road Glide, la Fat Bob, l'Héritage Classique, l'Ultra Limited, la Street Glide, la Tree Glide et enfin la Road Glide. Alors on l'a dit, Harley Davidson, c'est bien plus qu'une moto, c'est aussi toute une gamme de vêtements. Et si Harley sort pour ses 120 ans une moto édition spéciale, ben Harley va sortir aussi une gamme de vêtements édition spéciale 120 ans. C'est ce qu'il y a juste derrière moi, vous avez des chemises, des vestes, des casquettes. Bref, si vous voulez fêter les 120 ans d'Harley Davidson aux couleurs d'Harley Davidson spéciale 120 ans, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il suffit d'acheter des fringues Harley Davidson. Aujourd'hui, alors que Harley célèbre ses 120 ans d'existence, elle continue de repousser les limites de la performance et de l'innovation. Les motos modernes, dotées de technologies de pointe, coexistent avec les classiques intemporels, rappelant à tous d'où vient cette grande aventure. Que vous soyez un motard chevronné ou un rêveur en herbe, prendre le guidon d'une Harley, c'est bien plus qu'un simple acte de conduite. C'est une expérience immersive, un voyage dans le temps où l'on peut ressentir l'essence même de la liberté et de l'aventure. L'histoire de cette marque est un héritage vivant, une épopée de rêves réalisés, de destins entremêlés. À travers son histoire, Harley Davidson a conquis le monde avec sa vision audacieuse et sa passion inébranlable pour la liberté sur deux roues. De Milwaukee à Tokyo, de Londres à Sydney, les motos Harley Davidson sont devenues des symboles de puissance, d'élégance et de style indéniable. Et pourtant, malgré toutes les évolutions technologiques, une chose reste inchangée, son âme. C'est cette mélodie puissante qui résonne à travers les cylindres, cette sensation unique qui électrise les sens à chaque accélération, cette esthétique inimitable qui fait tourner les têtes à chaque passage. Mais la véritable essence de la marque se trouve dans le cœur de chaque motard qui a vécu les joies et les défis de la route. C'est la sensation de liberté absolue lorsqu'on se lance à pleine vitesse sur une autoroute déserte, le sentiment de camaraderie lorsqu'on partage un repas et des histoires avec des inconnus devenus amis, et la fierté d'appartenir à une communauté qui ne cesse de grandir.
Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire, Harley-Davidson continue de tracer son chemin vers l'avenir. Elle explore de nouvelles technologies, de nouvelles formes de mobilité et de nouveaux horizons, tout en préservant l'héritage qui a fait d'elle une icône de l'industrie motocycliste. Alors que nous célébrons cette incroyable saga, souvenons-nous que chaque moto Harley-Davidson raconte une histoire. Une histoire de passion, de courage, de liberté et d'évasion. Que vous soyez un motard chevronné, un admirateur de longue date ou simplement quelqu'un qui rêve un jour de chevaucher une Harley-Davidson, cette marque légendaire continuera d'inspirer les esprits pendant de nombreuses années à venir. Car Harley-Davidson, c'est un état d'esprit, une passion qui transcende les générations et les frontières. Elle unit les motards du monde entier, leur offrant un sentiment d'appartenance à une famille motarde unique.